les compétiteurs doivent réaliser une petite porte avec une partie qui constitue la porte et le cadre qui va autour. Et ils doivent assembler donc les deux pièces et mettre également les charnières pour que la porte fonctionne à la fin de la compétition. Donc, toute la difficulté du sujet en menuiserie, c'est vraiment la réalisation d'assemblage. C'est vraiment la tradition de la menuiserie côté assemblage avec des assemblages complexes qui, dans un premier temps, il faut comprendre. Ils doivent vraiment comprendre le nouveau plan qui est sorti. Ce qui est compliqué, c'est d'allier la précision et le temps. Parce que c'est des pièces assez complexes et puis le temps est assez court. Donc il faut que ça puisse se terminer correctement à la fin du temps imparti. Il y a un planning qui est exactement calé à la minute près et comme ça j'ai les étapes à faire. Je sais exactement à quel moment faire chaque étape. Ce qui a été compliqué, c'est la réalisation de l'épure dans un temps assez court. Et après, ça va se dérouler correctement le long de la journée. C'est un énorme plaisir de faire cette compétition parce qu'on ne la vit qu'une seule fois dans notre vie. Et c'est un moment à prendre absolument.